проскочить, остановил гражданский автомобиль, в котором было трое человек. Все они погибли. Основной взрыв первый был на этом месте. Il s'agissait en quelque sorte de passer une étape formelle. La jambe coupée, qu'est-ce que ça nous montre? Il y a une attaque, une offensive ukrainienne. Elle est terrible. Des combats acharnés, a dit la télévision russe, ce qui est faux. L'attaque ukrainienne, c'est, alors on a une provocation ukrainienne, il faut y répondre. Ce qui m'a frappé dans ces mises en scène, c'est la faible qualité. Уважаемые жители Донецкой Народной Республики, земляки, в последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание... Вопреки здравому смыслу... Оккупанты действовали наверняка. Целью, хочу еще раз повторить, был командир, который... C'est certain que le public, il n'est pas prioritairement en Occident, même si, évidemment, en Occident, en Europe, il y a des gens qui, par choix ou par crédulité, peuvent décider, en quelque sorte, de croire à ces mises en scène, à ces montages. Le public, il est effectivement russe, et encore avec une nuance. C'est la partie de la population russe qui s'informe exclusivement par la télévision. On est à peu près à 50-50 entre les gens qui ne font confiance qu'à la télévision et les autres. Des saboteurs ukrainiens qui, avec des blindés, rentrent sur les territoires russes pour commettre une attaque chimique, c'est absolument gigantesque. Or, ça a certes été montré à la télé, mais bon, ça semble oublié aussi sec. Donc il ne s'agit pas vraiment de créer un alibi formel, c'est plus de créer une ambiance, un climat. Mais l'étape suivante, si elle a lieu, qui est une guerre d'offensive menée par la Russie contre l'Ukraine, c'est quand même plus difficile à avaler. Donc ça demande pas forcément que les gens croient à chaque mini-histoire qui est montrée, mais à créer un climat. Tout ça, ça s'accumule. Et ça, c'est important, c'est stratégique pour le pouvoir russe, pour éventuellement préparer les gens à la suite.